Lucia est donc poussée ici par son assistante. Là aussi, c'est plein d'inventivité, à l'évidence. Ce sont des robots mécaniques. Ouais, sur une musique, c'est pas Papa Outé de Stromae, une petite version. Bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ouais, très beau là, c'est porté. Après, faut pas avoir peur hein, quand on est une partenaire. Parfois, on est quand même malmené hein, pour faire les portées avec son homme. Et là, c'est vraiment un couple d'avenir là. Loïcia Demougeot et Théo Lemercier, ça fait maintenant 2-3 ans que nous les admirons. Et ils sont en constante progression. Et là aussi, Annick nous en parlera à la fin peut-être de leur démonstration. Peut-être de solides espoirs pour Helsinki, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne s'y présenteront pas pour faire de la figuration. Un jour l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, et ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Ah, c'est bien, là encore une musique qui réveille bien le public. Ils sont beaux, ce sont des véritables artistes. Mesdames et messieurs, applaudissez. Loïcia Demougeot et Théo Lemercier. Oui, Annick, nous le disions, un couple vraiment en constante progression. Ah oui, surtout sur cette première partie de saison où les Grands Prix ont dévoilé les futurs grands champions, puisque nous sommes sur une saison qui suit les Jeux Olympiques, donc c'est là où toute la jeunesse veut montrer qu'ils seront présents. Sous les yeux de Monsieur le maire, Yves Genevoix, et de la présidente de la Fédération française de patine des sports de glace, Gwenaëlle Nori. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit. Allez, il faudra donc se rappeler de ce nom et de ce prénom de ce jeune couple. Car effectivement, ils ont beaucoup d'avenir. Moi, je les aime beaucoup. Ah oui. Il faudra voir au championnat d'Europe comment ils se classeront. Avec déjà 2 quatrièmes places sur leurs 2 grands prix.